Quand j'ai acheté la maison, la première chose que j'ai vue, c'était ça. Puis je me suis dit, ben, si je peux avoir des Velux pour avoir de la lumière, ben, je ferai l'atelier là-haut. J'aime assez être cachée, qu'on ne me voie pas trop quand je travaille. Ça change maintenant, mais en tout cas au début, j'aimais bien être dans un endroit un peu clos, un peu secret. Non, mais Minette. Non, Nozomi. Moi. Ça fera 40 ans l'année prochaine que je travaille cette matière. J'ai commencé aux Beaux-Arts en dernière année d'études. Comme je faisais beaucoup de dessins, de gravures, je me suis dit, ben tiens, je vais fabriquer mon propre papier. Ce qui n'était pas évident à l'époque, parce que personne ne faisait du papier artisanal. Donc j'ai beaucoup tâtonné, j'ai cassé plusieurs mixeurs, j'ai vraiment essayé plein de choses et je suis tombée amoureuse du papier. Au début, j'étais attirée par la transformation du chiffon en main papier et puis cette transformation m'a interpellée. Je me suis dit, mais en fait, c'est ce qui se passe avec notre vie. On naît, après, ben, on subit plein de choses, on vit plein de choses, et on meurt, et il y a quelque chose d'autre, probablement. Puisque dans la matière, ça se passe aussi comme ça. Je vais détruire les chiffons, les broyer, et ils vont devenir un papier. En ce moment, je suis sur un travail de porte. Ça m'a toujours, j'ai toujours énormément aimé les vieilles portes. Là, j'ai commencé une série en faisant des empreintes sur la porte de ma cave qui va partir parce que j'ai des travaux qui se font. Donc, c'est la mémoire de la maison pour moi, cette porte. Je suis née à Genève, mais je m'estime gruyérienne. J'aime bien ce paysage doux, ces montagnes qui ne sont pas agressives. Et puis c'est quand même une vallée un petit peu protégée. Puis on voit toutes les saisons passer, tout est beau, c'est toujours beau. C'est un endroit paisible. Et ça, je trouve que c'est important à notre époque, les endroits comme ça. Je pense pas que je ferais la même chose si j'habitais en pleine capitale. Je pense pas. Je pense que le fait d'être entouré de la nature, des plantes, c'est très stimulant. Et quand je me balade, ben aussi, je me dis, tiens, là, il y a un coin à Ortie, il y a un coin à Presles, il y a un coin à Scie. C'est riche. Ou bien j'essaye des plantes aussi. Quand j'en vois une certaine quantité à des endroits précis, je me dis, tiens, ben, j'ai jamais essayé cette plante, je vais peut-être l'essayer. J'aime bien ramasser les plantes parce que je suis déjà au début de l'acte de la création. Je vois déjà ce que je vais pouvoir faire avec. L'œuvre, elle est déjà là, dans la cueillette. Dans le papier, on passe toujours par la destruction. Déjà, on coupe la plante, après on la cuit, assez fort quand même. On a du produit basique qui va faire que tout ce qui n'est pas la cellulose va partir dans l'eau. Et après, on a sa matière qui est encore entière, mais assouplie.
Les plantes, j'en ai travaillé plus d'une centaine. J'ai aussi raté des choses, mais j'ai aussi cru que ça allait donner un papier fantastique, et puis ça donnait rien. Et puis il y a des miracles. Donc, tout d'un coup, on découvre une plante et c'est juste fabuleux. L'olière, j'avais essayé, mais quand je cuis trop longtemps, c'est de la bouillie. Donc j'ai essayé de voir le temps de cuisson, d'avoir juste le temps de cuisson nécessaire pour garder encore la dentelle de la feuille. Et puis après, c'est la surprise parce qu'il y a, vraiment le filigrane qui reste, le squelette, comme un peu l'âme de la feuille. Cette matière, elle me permet d'exprimer mes émotions. Je peux lui faire dire aussi ce que je veux. Je peux faire croire que c'est du bois. Je peux faire croire que c'est une peau. Et ce mimétisme aussi, ça me passionne. Je cherche pas le beau, mais ça doit être harmonieux. En fait, c'est physique, hein, je sens. À un moment donné, je sais, ce papier, il doit aller là. Il doit pas aller un centimètre plus loin. Il doit être juste là. Et des fois, je cherche un papier, puis je vais aller fouiller dans ce que j'ai. Et puis, je vais trouver exactement le papier qu'il me fallait pour continuer une pièce où je suis en arrêt. Ce papier, je ne savais même plus qu'il existait, il est perdu dans un tas. Puis tout d'un coup, c'est celui-là, paf, c'est juste ça. C'est génial quand ça arrive. J'adore travailler avec la matière par couche, par strate. Et puis qu'il y a des vies, il y a des écrits, je recouvre les écrits, je remets quelque chose dessus. Et ça devient un tableau ou un bol aussi. Hein. Il y a des bols transparents puis d'autres plus épais. Puis j'aime bien ce côté-là. Je suis toujours entre la transparence et l'opacité. On est peut-être tous un peu comme ça. Multicouche. Et puis aussi entre la fragilité ou la force. Ça paraît fragile, mais c'est très solide, le papier aussi. J'ai fait à un moment donné des manteaux en papier, des choses comme ça. Après coup, ça coïncidait avec le deuil d'une personne de ma famille. Bon, quelqu'un est arrivé une fois, il m'a dit « Mais vous faites ça pourquoi ?» Je dis « Moi, je fais des habits en papier, ça me plaît de faire des habits en papier. » Puis il m'a dit, mais vous savez qu'en Chine, on fait un habit en papier quand quelqu'un est décédé. Puis on le brûle avec l'habit en papier. Et ça, ouais, c'était assez surprenant. Le deuil contient à un moment donné de la force de vie. J'ai jamais arrêté de créer,
Même avec des moments difficiles, ben, j'ai toujours été dans l'atelier. Enfant, j'aimais bien dessiner et c'était mon monde. Justement, je me retrouvais comme ça aussi. J'étais plutôt assez décidée comme ça. J'étais hyper timide. Je pense hypersensible, mais avec un caractère très volontaire. Et je voulais faire les beaux-arts à 12 ans déjà. Ouais. J'avais décidé. Alors après le diplôme, j'étais toujours à Genève, dans la campagne genevoise, à Soral. Et avec mon ex-mari, très idéaliste, hein, les deux artistes, j'avais un atelier en terre battue. Il faisait froid l'hiver. Ce qui m'a amenée ici en Gruyère, c'est une histoire affective. Je me suis divorcée et puis je suis partie habiter en Gruyère. C'était une histoire qui n'a pas duré longtemps et je me suis retrouvée avec mes deux enfants sans rien en fait. Sans beaucoup d'argent, pas tellement d'argent, juste les stages, hein, quelques expos. Enfin, j'avais pas de métier fixe. Mes deux enfants et plus d'endroit où habiter. Donc ça a été un petit peu dur cette période. Ouais. Donc j'ai refait des études à 38 ans pour enseigner le dessin. Et puis j'ai eu la chance d'avoir une place au CO de Bulle. Fait ensemble. Voilà. Super. Tu tapotes comme moi. Voilà. Encore un petit peu. Voilà. Regarde. T'as vu ? Alors maintenant, j'ai arrêté l'enseignement au niveau secondaire. Et puis, bon, je donne des stages depuis longtemps, des adultes. Et je travaille aussi avec des personnes handicapées. Regarde, Béatrice, je fais avec toi. Regarde. Tac. Salut Cathy, ça va ? Là. Bon, j'avais eu un premier contact il y a peut-être 15 ans, comme ça. Ça m'avait complètement bouleversée. Leur façon d'être, ben, je trouvais qu'ils étaient comme enfermés, mais qu'ils étaient beaux à l'intérieur. C'était douloureux de voir ça. Bravo, c'est bon, tu vois. Puis petit à petit, ben, on ne voit plus. Et puis on essaye de les aider dans une démarche. On essaye ensemble. Vas-y, voilà, super. Magnifique. De reprendre la main, de faire toucher la pulpe, etc. Super. Cool. Attends, on la retourne. Et bien, finish. Merci. C'est pour moi. C'est une habileté. C'est fini. Je pense que c'est ça que je peux leur amener. Ouais. Mais moi, ils m'amènent beaucoup. Hein. Ben, quand je reçois un sourire, un regard, ou que me touche, ou que je vois que ça a bien marché, moi, je suis remplie. Ça me remplit beaucoup. Donc, en fait, j'y vais pour moi. Je me suis posé souvent des questions, pourquoi je crée, à quoi ça sert déjà, à quoi je sers. Et puis j'ai lu un livre sur l'importance de la beauté. Et ça m'a fait du bien, parce qu'il disait, mais c'est important de faire des belles choses, ça aide les gens. Et c'est un pas, comme ça, dans le bonheur. Donc je me suis dit, bon, peut-être que je sers à quelque chose, quoi. J'offre du rêve. La nature, c'est un équilibre. Et je pense que je fais partie de cette nature.
promène, et puis là, je me dis, ah bah tiens, là, il y a, un coin après elle. Puis après, je me souviens, et je vais les rechercher là-bas. C'est comme les champignonneurs. C'est mes petits coins. J'aime beaucoup cette plante parce que c'est une plante très ancienne, préhistorique. Elle est très intéressante par rapport à ce que j'aime, c'est ça, c'est ces intersections comme ça, avec des parties très foncées. Et ça fait comme des codes-barres, en fait, c'est comme une écriture. Elle a une écriture. J'ai toujours la patience qu'il faut. À l'atelier, le temps s'arrête. Peut-être que c'est une voix monacale quelque part. Il y a quelque chose de ça, peut-être. C'est pas... Parce que des fois, c'est un peu juste de la folie. On va frotter des feuilles pendant des heures. Récupérer des taches sur des feuilles d'érable pour faire une écriture. Mais dans cette absurdité, je trouve ça génial, quoi, d'être absurde. Le Japon, pour moi, la première fois que je suis allée, c'était très fort, en 87. J'avais l'impression de retourner un peu à la maison. C'est étrange, hein. J'avais fait déjà du papier Japon aux États-Unis. J'avais suivi un stage et j'avais beaucoup de peine à le fabriquer. Et je me suis dit, ben, peut-être qu'il existe des bourses. Donc c'est parti comme ça. J'ai écrit au consulat à Genève qui m'a répondu qu'il y avait un atelier qui m'accueillerait. Kusureo no muka, isha ni miseta. Et Minou, non, mais ça va bien. Chut, descends. Après, j'ai reçu un fascicule pour apprendre le japonais. Et voilà, j'ai fait quelques cours et je suis partie l'année suivante. Alors là-bas, j'étais la seule européenne dans cette région. J'étais la washi star, la star du papier. On m'arrêtait pour des autographes, c'était drôle. Aujourd'hui, nous allons vous présenter une Suissesse qui tente de produire le washi à Ogunimachi, qui lui permettra de créer ses œuvres. Maintenant, Madame Viviane Fontaine s'initie à la fabrication du washi. C'est une artiste qui habite à Genève, en Suisse. En août de cette année, elle est venue faire un séjour en laissant son mari et ses deux enfants en Suisse. Apprendre le papier Japon, c'est difficile. On compte une année d'apprentissage pour faire une feuille parfaite. Et c'est 8 heures par jour, un jour de congé par semaine. En 2 mois, j'ai pu faire du papier. Parce que suivant dans quel atelier on tombe, on balaye l'atelier. Il y a eu un contact très fort avec le maître qui m'a appris à faire du papier. Donc c'était un peu comme mon papa japonais. Il était très sévère et il ne faisait pas beaucoup de compliments, disons. Mais il me laissait travailler, puis il venait juste jeter un petit œil, voir comment ça allait.
disait rien, mais il refaisait le geste du mouvement dans l'eau. Elle me disait toujours « Gambate kudasai », ça veut dire « Travaille, s'il te plaît ». Alors, en 2009, en fait, j'ai fait beaucoup de grandes feuilles. Et à la fin, il m'a dit qu'il n'avait plus rien à m'apprendre. Donc ça m'a beaucoup touchée, venant de lui. C'était un peu comme s'il me passait quelque chose. J'ai pas pu le voir en 2013 parce qu'il a eu un cancer et puis il était très mal. Et avant qu'il meure, j'ai eu la chance de pouvoir lui téléphoner, 4 jours avant. Et il m'a dit « Gambate kudasai ». Dernier mot. Ça m'a rendu triste hein, qu'il soit parti, c'est clair. Mais en même temps, il est là. Je me dis, ben, il faut que je transmette ce qu'il m'a donné, que je continue. Quand on crée, on doit être ouvert pour recevoir, pour transmettre, pour donner et tout. Mais cette hypersensibilité, c'est aussi à double tranchant. On reçoit aussi des choses intensément. Donc c'est pas facile d'ouvrir son cœur. Depuis le début, j'ai écrit. J'écris des choses sur ma vie ou des réflexions. Mais je fais en sorte qu'on puisse pas la lire. Et j'ai pas envie qu'on s'attache trop à l'écriture. C'est comme la fin du travail. Je donne une petite touche comme ça. J'avais lu que certains textes bouddhistes étaient enterrés sous les temples. Et c'était les pensées qui passaient à travers le plancher. Alors ça me plaît assez. J'oserais pas dire que mes pensées passent quoi, dans le tableau, mais peut-être ce serait sympa si ça passait comme ça. Qu'est-ce que cherche la perfection, peut-être. Mais ça n'existe pas, ça ne sera jamais parfait. Moi, j'essaye de toujours m'améliorer, mais c'est aussi intérieur, finalement. J'ai une connexion profonde avec cette matière. Tout ce que je vis, tout ce que je traverse, c'est dans le papier. C'est comme c'était moi, ce papier, finalement.